Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Oui. Acab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Oui. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur. Dis avec moi, il mit son visage entre ses genoux. Il mit son visage entre ses genoux. Dis, il mit son visage entre ses genoux. Il mit son visage entre ses genoux. Oui, continue. Et dit à son serviteur, monte. Oui. Regarde du côté de la mer. Oui. Le serviteur monta, il regarda et dit, oui. Il n'y a rien. Élie dit sept fois, retourne. À la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Oui. Élie dit, monte et dit à Acab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Oui. Au verset 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Acab monta sur son char, oui, et partit pour Jizréel. Et partit pour Jizréel. Lisons maintenant le texte du bas, Jean 13, verset 3 à 9. Jean chapitre 13, le verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, oui, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, oui, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Le, oui, verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Mm. » Le verset 8. Oui. Pierre lui dit, « Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Oui. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. » Dis, si je ne te lave les pieds. Si je ne te lave les pieds. Dis, il a dit quoi? Si je ne te lave, non? Ou bien c'est si je ne te lave. Donc il précise maintenant. Il dit, si je ne te lave. Au départ, il a commencé par, je vais laver tes pieds. Amen. Maintenant, cette fois-ci, il a approfondi. Il dit, si je ne te lave, mais il a complété pieds. Si je ne te lave. Donc il dit, si je ne te lave. Donc au départ, Jésus avait l'intention de laver seulement les pieds. Amen. Amen. Mais il a compris qu'il fallait que son action parte plus loin. Donc il dit, cette fois-ci, si je ne te lave. Donc il ne précise plus l'organe. Amen. 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 Il dit, si je ne te lave, tu n'auras point part. Donc, il y a des parties que le Seigneur doit laver pour que nous soyons quoi, en contact avec certaines bénédictions qui doivent se réaliser dans notre vie. Amen. Il y a des organes physiques que le Seigneur doit laver pour que quoi, de façon spirituelle, nous puissions rentrer en contact avec ces bénédictions pour que cela se matérialise. Amen. Et quelles sont ces parties-là qu'il doit laver? Oui. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Le verset 9, oui. Simon-Pierre lui dit. Simon-Pierre lui dit, oui. Seigneur, non seulement les pieds. Ah, il dit maintenant, non seulement les pieds, mais quoi? Mais encore les mains et la tête. Dis avec moi, encore les mains et la tête. Encore les mains et la tête. Donc ça veut dire que, pour que quoi? Les disciples puissent avoir une part de bénédiction. Il va falloir que le Seigneur lave quelle partie? Les pieds, les mains et la tête. Amen. 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 Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Donc, Jésus auparavant avait l'intention de laver les pieds. Mais il a compris que là où il veut envoyer ses disciples, c'est profond. Il dit, maintenant, cette fois-ci, si je ne te lave. Donc, il précise maintenant les organes qu'il doit laver pour que ces organes-là puissent en rentrer en contact avec un certain type de bénédiction. La tête, les mains et les pieds. Dis amen bien. Amen. Il dit, si je ne te lave ces organes-là, les bénédictions vont venir, mais les bénédictions ne vont pas quoi s'accomplir dans ta vie. Amen. En d'autres termes, beaucoup de prophéties sont sur votre vie. Mais il y a des choses qui sont sur des parties de votre corps qui font que la bénédiction n'arrive pas à rester. Soit ça vient, ça rentre, ça s'en va. Ou ça n'arrive jamais. Il va falloir que le Seigneur te lave la tête, les mains et les pieds. Dis amen. Amen. Nous avons vu la première partie, c'est Seigneur, restaure toutes les parties de notre corps. Toutes les parties de notre corps. Première partie. Nous avons vu lavage des pieds. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Seigneur, restaure tout mon être. Tout mon corps, amen. Amen. La deuxième partie, normalement, c'est laver la tête. Amen. Amen. Pourquoi Jésus a lavé la tête? Mais la tête est composée de beaucoup d'organes. Amen. Amen. C'est composé de beaucoup d'organes.
y a quoi? Il y a les yeux, il y a la bouche, hein? Il y a l'oreille, il y a quoi encore? Il y a le visage, il y a les cheveux, il y a le nez. Excuse-moi. Il y a Amen. Les cheveux. Pour les hommes, il y a la barbe. Il y a les femmes aussi qui ont barbe. Il y a tout ça. Non, les femmes, on dit c'est barbette. Mais ce n'est pas beaucoup. Amen. Amen. Et nous allons nous pencher spécialement sur le visage. Amen. Amen. Le visage est un organe qui fait partie de la tête. Pourquoi tu insistes à laver la tête? La tête, ça veut dire qu'il lave aussi le visage. Quel est l'impact de la tête? Quel est l'impact du visage dans quoi? Dans la réalisation aussi de ma destinée. Dis amen. Amen. Tu dois comprendre une chose, c'est que le visage permet d'exprimer les émotions. Amen. Est-ce que tu m'entends? À travers ton visage, on peut savoir si tu es en joie ou si tu es en colère. Amen. Quand quelqu'un fait ça, il rit. Bon, c'est qu'il y a, aujourd'hui, il y a des souris qui cachent un truc derrière. Mais quelqu'un dans son visage qui rit, on sent quand quelqu'un rit, son visage est quoi? Est détendu. Mais quand quelqu'un est en colère, par son visage, tu peux savoir, son visage est serré. Mais par contre, il y a des gens qui sont nés comme ça, quoi. Et ils disent, c'est comme ça, ils sont. Et on peut le voir dans Genèse 4, verset 6 à 7, oui. Genèse. Caïn avait tué son frère, Abel. Pourquoi? Parce que Dieu avait accepté quoi? Les offrandes d'Abel et rejeté quoi? Les offrandes de Caïn. On va voir cela. Oui. Genèse chapitre 4, le verset 6. Oui. Et l'Éternel dit à Caïn, oui. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Donc, irrité, pourquoi es-tu fâché? Donc le fait qu'il est fâché, on sent quoi? La tristesse sur son visage. Amen. 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 Donc le visage permet de quoi? De montrer les émotions de quelqu'un. Soit l'émotion de joie, soit l'émotion de tristesse. Oui. Amen. Le verset oui. 7, certainement... Si tu agis bien... Non, doucement. Maintenant, on prend maintenant Genèse 31, verset 1 à 2. Genèse 31, le verset 1er. Oui. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient... Jacob entendit les propos, les fils de Laban, oui. Qui disaient... Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Jacob a pris tout ce qui est à notre père, oui. Et c'est avec le bien de notre père qu'il oui. s'est acquis toutes ses il richesses. Il dit, c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Oui. Le verset 2. Verset 2 maintenant, regarde. Jacob remarqua on aussi. On dit, Jacob remarqua aussi quoi le visage de Laban. Le visage de Laban, oui. Et voici, il n'était plus envers lui il comme dit quoi? Auparavant. Son visage n'était plus quoi? Comme auparavant. Amen. Auparavant, quand Jacob arrivait, Jacob était pauvre. Amen. Non? Amen. Donc plus il exploitait Jacob, il riait avec lui. Regarde, j'aimerais vous dire, il y a des gens là, ils rient à vous, c'est parce qu'ils tirent quelque chose de vous. Amen. Vous m'avez pas entendu. Il y a des gens qui tirent des bonnes choses de vous, donc ils font semblant de rire avec vous. Parce que s'il sert son visage, tu vas découvrir son secret. Donc la personne fait semblant de rire. Oh, ma copine, oh, c'est elle en train de chercher ton mari comme ça. Eh, hey, mon frère, ma soeur en Christ, oh, elle en train de. Cette personne est en train de briser ta relation de foyer. Amen. Mais quand, suis-moi bien, quelqu'un qui était pauvre. Laban ne s'attendait pas à ce que Jacob s'enrichisse. Mais par la grâce de Dieu, Jacob est devenu riche. Le fait que Jacob est devenu riche, qu'il a eu l'argent, son visage a changé. Amen. Donc, il ne traite plus avec joie. Il sait son visage contre lui. Amen. Amen. Donc, Amen. Le visage est quoi? Nous permet d'exprimer quoi? Les sentiments. Amen. Et suis-moi bien, à travers le visage de quelqu'un, tu peux connaître l'expression de son comportement. Amen. À travers le visage de quelqu'un, tu peux savoir pourquoi et comment la personne se comporte envers toi. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Troisième des choses, suis-moi bien. C'est que, ou deuxième des choses. Pourquoi Jésus-Christ voulait laver le visage? Quel est l'impact du visage dans le monde spirituel? Suis-moi bien. C'est que le visage permet le visage permet de montrer l'expression du travail. Amen. C'est-à-dire que, à travers le visage, on peut rentrer en contact avec le travail. Amen. Oui. Dans Genèse 3. Genèse 3, verset 19. Genèse 3, le verset 19. Oui. C'est à la sueur de ton visage. Suis-moi bien. Dieu dit quoi? C'est à la sueur de où? De ton visage. De ton visage que quoi? Que tu mangeras du pain. Que tu mangeras du pain. Ça veut dire quoi? C'est grâce à la transpiration de ton visage que tu mangeras le pain. Amen. Donc, c'est grâce au travail. Donc, le visage nous montre l'expression du travail. Amen. Quelqu'un qui transpire beaucoup, qui travaille beaucoup, transpire. Et tu mangeras grâce à ta transpiration. Amen. Dis à ton voisin, tu transpires quand? Toi, tu sais où tu transpires. Tu transpires, tu connais.
j'ai pas besoin. Donc la transpiration nourrit. Amen. Vous m'avez pas entendu? C'est grâce à quoi? À la sueur de mon visage que je mange. Donc plus je travaille, plus je transpire, plus je fais quoi? Je gagne du pain. Amen. Toi, tu ne veux pas transpirer. Les autres n'ont qu'à transpirer, ils vont te donner du pain. À bas les paresseux. Amen. Donc le visage est l'expression du travail. Donc quand je vois des gens, toujours ton visage est clean, 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 clean. Il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, il faut qu'on voit ton visage un peu bizarre. Oui, oui. Tu as beau t'arranger. Je sais de quoi je vous parle. Ceux qui travaillent là, même directeur, quand il y a pression, dans le climatiseur, tu transpires. Aïe, vous ne répondez plus. Amen. Ah, je comprends. C'est toi, tu prends pour le directeur, c'est ça. Pourquoi est-ce que le visage est tellement important? Pour que Jésus-Christ demande à ce qu'on lave la tête pour rentrer en contact avec les bénédictions. Suis-moi bien. C'est que le visage nous permet de pouvoir exprimer la gloire de Dieu. Amen. Grâce à ton visage, suis-moi bien, on peut voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et nous voyons ça dans Luc, dans Matthieu 17, verset 1 à 2, oui, allons vite. Matthieu chapitre 17, oui. Le verset premier. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, oui. Jacques et Jean son frère, oui. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Oui. Le verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Et quoi? Son visage resplendit comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. En d'autres termes, avant qu'il le monte, son visage était normal. Mais quand il est monté sur la montagne, son visage a commencé à briller. La gloire de Dieu est venue sur son visage. Amen. Donc le visage montre l'expression de quoi? De la présence de Dieu aussi dans notre vie. Amen. Quand la gloire de Dieu descend sur toi, ça change ton visage. En d'autres termes, tu as un sourire large aux lèvres. On te demande, il y a quoi? Tu n'as pas d'argent, mais tu es en paix, tu es en joie. On dit, mais toi, tu ne passes ton temps qu'à rire. Le problème, je ne ris pas pour te faire plaisir. Je ris parce que quelque chose a commencé à se passer dans le ciel concernant ma situation. Amen. Concernant ma situation de déception. Concernant ma situation de blocage. Concernant ma situation de célibat. Quelque chose, un bouleversement a commencé dans le ciel. Et Dieu m'a fait ressentir cela. Même si physiquement, je ne vois pas, mais je commence à le célébrer déjà sur la terre, en lui disant, Seigneur, tu es le roi des rois, le tout puissant. Amen. Le visage est important parce que ça montre la gloire de Dieu. Le visage est important parce que ça ouvre les portes du travail. Le visage est important parce que ça nous permet d'exprimer les émotions. Amen. En d'autres termes, le visage nous permet d'être stable. Mais Jésus dit, si je ne vous lave pas la tête, en d'autres termes, je ne vous lave pas le visage, vous ne répondez pas. Les pas dont tu parles, travaille. La gloire de Dieu. Amen. Mais pourquoi est-ce que nous, on a ces visages-là, on ne voit pas la gloire de Dieu, il n'y a pas de travail. Tout est bizarre chez nous, il n'y a pas de paix. C'est parce qu'il y a eu des choses qui sont venues sur notre visage, qui ont changé le mode de fonctionnement de notre visage. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut que je lave. Quand je vais laver, vous allez retrouver la gloire première de votre visage, qui est le travail et la gloire de la présence de Dieu. Amen. Et nous allons voir, qu'est-ce qui peut détruire? Envoyer des choses dans ton visage de telle sorte que tu ne vas pas avancer. Ça va créer des blocages. Première des choses, suis-moi bien. Quand quelqu'un a le visage couvert, tu m'entends? Ça crée des blocages dans ta vie. Et regardez dans Genèse 38, verset 14 à 15. Genèse. Il s'agissait, avant qu'on le dise rapidement, il s'agissait de Tamar. Tamar, qui son premier mari était qui? C'est-à-dire que son beau-père s'appelait Judas. Ils ont mis au monde, il a eu 3 enfants. Donc on a donné en mariage au premier enfant qu'on appelle Er. Er est mort. Après on a donné à Onan. Onan est mort. Maintenant il restait qui le plus petit qui était quoi? Sheila, non? Donc Judas lui a dit, ok Tamar, va en famille. Sheila est encore petit. Quand il va grandir, je vais te donner en mariage. Sheila a grandi. Tamar se rend compte qu'on ne veut pas lui donner. On ne veut pas lui donner, comment on appelle? Son mari Sheila. Donc, elle va décider de faire quoi? De changer d'apparence. Regardez ce qu'elle va faire, oui. Genèse 38, le verset 14. Alors, elle ôta ses habits de veuve. Elle ôta ses habits de veuve, oui. Elle se couvrit d'un voile et oui. S'enveloppa. Oui. Et elle s'assit à l'entrée des Naïm, oui. Sur le chemin de Timna. Oui. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Oui. Le verset 15. Judas la vit
Il a pris pour une prostituée. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il a pris pour une prostituée quoi? Parce qu'elle avait couvert son visage. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Donc il a pris pour une prostituée parce qu'elle quoi? Elle avait couvert son visage. En temps normal, on la connaît en tant qu'une femme veuve. Amen. Parce qu'elle avait les vêtements de veuve. Mais le fait qu'elle a couvert son visage, ça a changé son identité. Amen. Amen. Et on l'a pris pour quoi? Pour quelqu'un d'autre. On l'a pris pour une prostituée. Est-ce qu'en réalité elle est prostituée? Non. Non. Mais le voile qu'elle a mis a changé son identité. Ah Seigneur. Amen. Il y a des gens, il y a un voile au niveau de ton visage. De telle sorte que tous ceux qui te promettent, dès qu'ils te voient, ils ne te payent pas. Amen. Au téléphone, ils disent, je vais te donner tout. Mais quand la personne te voit maintenant, il change d'avis. Jésus dit ici, je ne te lave ton visage. Tu n'auras aucune part. Amen. Il y a des gens ici, vos visages sont couverts. On vous prend pour autre personne. Quand c'est mauvaise chose, c'est toujours toi. Quand c'est bonne chose, c'est quelqu'un d'autre. En temps normal, son identité, c'est Tamar. Elle est veuve, elle attend de se marier. Mais parce qu'elle a mis un voile, ça a couvert son visage, on l'a pris pour quelqu'un d'autre. Regarde, souvent, tu as toutes les compétences qu'il faut. Tu déposes ton dossier, on ne te prend pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand on regarde les diplômes et puis on te regarde là, on ne pense pas que toi, tu peux avoir ça. Oh, c'est pour toi. Amen. Il t'est pas arrivé d'avoir des choses où les gens sont étonnés pour dire ça, là, tu as volé. Oh, en réalité, c'est pour toi. Des voiles doivent tomber. Amen. Le voile qui est sur ton visage qui fait que les gens te confondent au mal, te confondent à la malédiction, te confondent à l'échec. Dieu doit déchirer ce voile, là. Dis amen. Amen. Et dit, il a pris pour une prostituée. Ça veut dire que pour identifier une prostituée, il suffit de mettre quoi? Un couvert. Donc, on ne pouvait pas voir qui elle était. Le voile fait qu'on ne voit pas ton identité. Le voile qui est sur toi, tu parles, tu sais qui je suis, mais personne ne te respecte. Tu sais pourquoi? C'est à cause du voile. Amen. Tu as un voile au niveau de ton visage. Voilà pourquoi tu te tapes tout le boulot au travail. Aucune récompense, aucune promotion. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile au niveau de ton visage. Il y a des gens qui commettent des erreurs. Mais dès que toi tu commets une erreur nette, en même temps, on te rabaisse. C'est parce que le problème, ton identité est couverte. Mais quand ils vont découvrir ton identité, ils ne pourront plus jamais te rabaisser. Amen. Ils ne feront que t'élever. Amen. Parce qu'ils savent que c'est grâce à tes compétences et tes aptitudes et attitudes que l'entreprise est devenue ce qu'elle est. Amen. Ton amen, non, est bizarre. Amen. Donc ce qui fait que nos visages ont besoin d'être lavés pour rentrer dans la gloire de Dieu, c'est que le visage est couvert. Deuxième des choses, c'est que la malédiction... Nos visages sont remplis de honte parce qu'il y a une malédiction sur notre visage. Amen. Nombre 12, verset 14. Nombre, chapitre 12, le verset 14. Oui. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? En temps normal, un être humain ne cache pas sur quelqu'un. Nous sommes en Afrique ici. Tu entends, au Koshoué, on est jamais entendu ça. Koshoué, tu connais? Ou bien un parent là, et puis crache au visage. C'est une malédiction qu'il lance. Il dit parce que quand on t'a craché au visage, tu seras quoi? Un sujet de honte. Donc, le fait que le crachat qu'on a mis sur toi couvre ton visage, ça couvre ta beauté, ça fait que les gens ont honte de toi. Les gens ont honte de t'approcher. Les gens ont honte. Mais aujourd'hui, Dieu va casser cette malédiction qui a envoyé la honte. Amen. Ce qui peut détruire nos visages, c'est qu'on n'arrive pas à avancer sur moi bien. C'est que quand ton visage commence à changer d'aspect, ton visage n'est plus le même, sur moi bien, tu n'as plus de respect. Deutéronome 28, verset 50. Donc ceux que vous voyez très très impolis, qui ne respectent personne, ils sont maudits au niveau de leur visage. Oui, Deutéronome 28. Deutéronome 28, le verset 50. Oui. Une nation au visage farouche. Il dit quoi? Une nation au visage farouche, oui. Et qui n'aura ni respect pour le vieillard. Il dit qu'il n'aura quoi? Ni respect pour le vieillard, oui. Ni pitié pour l'enfant. Ni pitié pour l'enfant. Amen. Deutéronome 28, hein? Pourquoi pas? Tu es sûr que c'est 28, tu as lu? Pourquoi pas? Deutéronome 28, le verset 50. Verset 50, prends 49. Le verset 49. L'Éternel fera partie de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi. Je vais trouver ce verset là-devant. Allons vite. Un visage aussi. Suis-moi bien. Quand au niveau de ton visage, il n'y a plus de trucs, il y a quelque chose qui au niveau de ton visage fait que tu n'avances pas, suis-moi bien.
c'est le chagrin, la peine, la douleur, la tristesse. Chagrin sur tous les plans, amour, déception, tout, trahison. Quand ça est au niveau de ton visage, ça fait que tu ne peux pas avancer. Prends Psaume 6, verset 8. Psaume chapitre 6, le verset 8. Oui. J'ai le visage usé par le chagrin. Ah, il dit, j'ai le visage usé par le chagrin. Le mot usé, c'est quoi? Détruit. Donc, j'ai le visage détérioré. J'ai le visage qui est en train de quoi? De se ramollir, de devenir bizarre. Oui. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Ah, quelqu'un m'a demandé, amen. Et dit, le chagrin fait que quoi? Son visage change. Quand une femme ou un homme vit dans peine, on ne sourit pas. Tu as beau sourire, ça va se ressentir dans son visage. Donc ça fait que le chagrin, la douleur fait que quoi? Tu maigris et ton visage aussi maigrit. On dit amen. Amen. Que ce soit la peine, le chagrin c'est la peine, c'est la douleur. Toutes ces choses-là, ça fait que quoi? Ton visage change. Et il a dit quoi? Termine la petite partie là, oui. J'ai le visage usé par le chagrin, oui. Et tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Il dit quoi? Tous ceux qui me persécutent me font vieillir. Donc la persécution fait quoi? Fait vieillir le visage. Amen. Quand tu vis le stress, ton visage change. Faut même make-up. Pour s'y envoyer les phares. Problème fait changer visage. Amen. Tu vois des hommes jeunes, mais vieux. Des femmes jeunes, mais vieilles. Quand tu regardes les âges, et puis les conditions, et puis tu regardes les âges, et puis leur physique, il y a quoi? J'ai envie de dire qu'il y a des kilomètres. À cause du stress, à cause des persécutions. Amen. Tu es jeune, mais ton visage ressemble à une vieille femme. Tu as beau te convaincre, je suis jeune, nous on voit vieille. Tu as beau te convaincre, je suis vieux, je suis jeune, tu es vieux. En d'autres termes, quand tes émotions sont instables, ça te fait vieillir. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu te rajeunit par sa présence. Amen. Mais si tout le monde devient jeune ici, là, qui va vieillir? Quelqu'un dit amen bien. Amen. Oui, Deutéronome, oui. Deutéronome 28, verset 50, c'est le verset, oui. Deutéronome 28, le verset 50. Oui. Une nation qui a le une visage. Une nation voilà. Au visage farouche. Voilà. Une nation au visage farouche. Quand on dit farouche, ça veut dire quoi? Farouche. Quoi? Je n'ai pas entendu. Furieux, merci. Donc quand ton visage est bizarre, quand tu es furieux, tu manifestes ta colère au niveau de ton visage. Il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et qu'il n'aura ni respect. Il dit qu'on n'a ni respect. Donc c'est parce que quoi? Son visage est farouche qu'il ne respecte pas. Amen. Quand ton visage devient bizarre, tu n'as plus de respect pour quelqu'un. Des gens qui parlent mal matin, midi, soir, ton visage est farouche. Amen. En d'autres termes, tes paroles que tu dis retournent sur toi-même. Combien de personnes ont du respect pour les vieillards, même pour les adultes, même pour les personnes qu'on connaît? Combien de personnes? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, que ce soit les jeunes, les vieilles, tout le monde, personne ne respecte quelqu'un. Ce n'est pas normal. Psaume 44, verset 16. Un autre truc qui est au niveau du visage qui fait qu'on n'arrive pas à manifester la gloire de Dieu, oui. Psaume 44. Verset 16, oui. Verset 16 ou verset 15, oui. Psaume 44, le verset 16. Oui. Ma honte est toujours devant moi. Et dit, ma honte est toujours devant moi. Et la confusion couvre mon visage. Et dit, et la confusion couvre mon visage. Quand il y a un visage confus, quand on parle de confus, ça veut dire quoi? Tu es instable. Tu ne te retrouves pas. La confusion au niveau de ton visage, voilà pourquoi tout ce que tu fais là, ça n'avance pas. C'est bizarre. Dis amen. Amen. Qu'est-ce qui peut arriver au niveau de notre visage de telle sorte que le Seigneur a besoin de laver pour que nous puissions retrouver la gloire de Dieu? Dis à quelqu'un, les pleurs. Les pleurs. D'autres passent, ceux qui passent tout le temps à pleurer. Ça change l'aspect de ton visage. Il faut que Jésus lave pour que la joie revienne. Amen. Job 16, 16. Job, chapitre 16, le verset 16. Oui. Les pleurs
ont altéré mon visage. Il dit quoi? Les pleurs ont altéré. Le mot altéré, c'est quoi? Sécher. Une altération. Hein? Voilà, fatiguer mon visage. Les pleurs changent l'aspect de ton visage. Amen. Tu étais un bel homme, une belle femme. Mais regarde aujourd'hui, tu es comme ça. Toujours les descendre comme une vieille. Tout en train de pleurer. Tout en train de pleurer. Pleure pour tout et pour rien. On ne t'a pas dit bonjour, tu pleures. On t'a dit bonjour trop haut, tu pleures. On parle de toi, tu pleures. On parle pas de toi, tu pleures. Les pleurs diminuent la beauté au niveau du visage. Amen. Or, le visage fait partie de la gloire de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Dis, la vie n'est pas faite pour les gens qui pleurent. La vie n'est pas faite pour les gens qui pleurent. Ou bien dis à ton voisin, dis, la réussite de quelqu'un. La réussite de quelqu'un. N'est pas faite pour des hommes et des femmes qui passent leur temps à pleurer. Quelqu'un qui pleure, qui demande l'amour. Quand tu pleures parce que c'est... Quand un bébé pleure, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. Mais Jésus dit, tu es bébé, mais tu dois aller au stade de maturité. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Donc quand tu demandes qu'on ne te donne pas, tu pleures. Mais tu changes de stade. À un moment donné, tu demandes, on ne te donne plus. Il faut pleurer, on s'en fout. Parce que tu as l'âge de chercher et trouver. Amen. Et c'est à cet âge-là que tu es. Ah non, pasteur, vraiment ici, vraiment mon problème, vraiment ma tête, mes pieds. On s'en... Il a dit, c'est bon comme ça. Amen. C'est bon. Prends tes responsabilités pour te mettre en prière, pour changer ta vie. Amen. Il y a des gens qui ont 20 ans de conversion, mais qui ont déjà fait 20 églises. C'est-à-dire qu'ils sont... Ils se sont convertis 20 fois dans une église. Vous m'avez pas compris? 10 ans, ils vont à l'église, ils ont fréquenté au moins 20 églises. Et toujours là-bas, ce sont les mêmes choses. Vraiment, homme de Dieu, ta papa. Jésus, il ne regarde pas les pleurs pour nous toucher. Il regarde l'état de ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui pleurent, mais ne sont pas sincères dans le cœur. Amen. On n'a pas dit amen. Amen. Ce n'est pas tes pleurs qui vont changer ton histoire. C'est l'état et de la sincérité de ton cœur qui va changer ton histoire. Et il s'est pleuré là. En Afrique ici, il y a une ethnie là. Vous connaissez, non? On les paye pour pleurer dans funérailles. Ils ont fait, pour ne pas vanter cette chaîne-là, sur une chaîne de télévision, ils ont fait documentaire. Elles sont payées soit par... Elle dit, c'est pas événement, ça dépend. Mais minimum 100 000, 200 000. Mais j'ai dit, quand on les filme acrobatique, qu'elles ont fait? Mais elles pleurent, c'est les parents. Elles sont pas sincères, elles jouent le rôle. Ce sont les pleurs qui changent la vie. Demandez aux acteurs de Nollywood là. Regarde, lui, mais on le paie pour qu'il pleure. Hein. Et puis toi, tu pleures vrai. Ils l'ont tué. Ils sont mauvais. Quelqu'un l'a payé pour jouer ce rôle. T'as quelqu'un lui-même fille de jouer le rôle. Il dit, tiens, j'ai été fort. Hein. Et puis toi, tu pleures. Mon cœur. Mon cœur. Toi, film te donne chagrin. Mais c'est que toi, tu ne vas jamais vivre. Hein? Parce que la vie nous donne toujours des chagrins. Amen. Parce que le chagrin, c'est quoi? C'est la douleur qui te donne un résultat. Parce que la vie ne va jamais te donner ce que tu veux. C'est toujours le contraire. Si tu n'es pas assez fort pour comprendre que ce résultat qui est sorti, à toi de faire quoi? De travailler pour changer ce résultat négatif à un résultat positif. Amen. Un enfant de Dieu ne se contente pas de s'arrêter là. On doit aller plus haut. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc, on comprend maintenant ce qui peut détourner le visage. La malédiction. Ton visage est voilé. Quand ton visage est voilé, on te prend pour une prostituée. Dis amen bien. Amen. Tu es belle, mais personne ne veut te marier. C'est le mougoupin. Chacun vient, prend pour lui, s'en va. Prend pour lui, s'en va. Pourtant, tu es belle. C'est un voile. Aucune relation ne se concrétise. Et quand pour finir, tu deviendras célibataire endurci. Tu dis, restez seul les mieux. Tous ceux qui te braguent là, ont toujours bague à leur main. Quand est-ce que quelqu'un de célibataire, oh mais célibataire même qui va te draguer, c'est qu'il est venu prendre ton âme. Il prend pour la femme. Vous aussi, vous êtes trop pris pour les hommes, ils n'ont qu'à prendre pour vous aussi, ça va. T'as pas remarqué maintenant, on vous invite plus au restaurant. Corona est bon, hein. Corona a des effets néfastes, mais aussi de bons côtés. Hein. Grâce à Corona, les goûts de restaurants sont quittés.
Si tu veux partir là-bas, on te demande c'est là-bas, tu es parti. Qui paye le transport d'abord? Jamais quoi. Et je rends grâce à Dieu. Un temps quand ils avaient supprimé les sachets, mais on était à l'aise dans les cérémonies. Parce qu'ils les emportaient. Mais il y a quand même d'autres qui prenaient sac aux poubelles pour mettre ça dans les sacs. Sac poubelle là. Ils mettent ça dans les sacs. Et puis manger les dedans, puis on attrape. Il y a toujours des moyens. Alléluia. Jésus dit, si je ne te lave la tête, tu n'auras aucune part. Il faut que des choses au niveau de ton visage te quittent. Femme, homme, ce qui a couvert ton visage, les malédictions de famille, les esprits de famille, la honte, la confusion, les pleurs, les douleurs, ça fait que la gloire de Dieu, quand ça vient, tu n'arrives pas à la manifester comme il se doit. Même quand on adore Dieu, on dit Jésus est présent. Il est présent, mais toi tu ne le sens pas. Tu es distrait. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient à l'église, que pendant que Dieu est présent, il est là, il regarde. C'est parce qu'il y a malédiction au niveau de son visage. Parce qu'en temps normal, quand il y a quelque chose de bon au niveau de ton visage, Jésus est monté sur la montagne. Il était où? Dans la présence de Dieu, son visage a changé. Tous ceux qui viennent à l'église et puis ils repartent comme ils sont venus, c'est parce que quand ils sont venus, ils ne se sont pas concentrés. Tu étais concentré sur Dieu ou sur l'homme de Dieu ou sur femme de quelqu'un ou bien sur enfant de quelqu'un. Oui, parce que chacun a ses raisons pour venir à l'église. Il y a les gens qui viennent pour chercher jolie femme, joli garçon. Il y a les gens aussi qui viennent pour entrer en contact avec les gens pour les escroquer. Il y a les gens aussi, ils viennent chercher Dieu. Il y a les gens aussi, ils viennent parce que affaire de prophétie, là, c'est spectacle. C'est tout. Mais ta vraie raison doit être la recherche de Dieu. Dis Seigneur. Seigneur. Mon visage doit changer. Mon visage doit changer. À cause de mon visage, je ne rentre plus en contact avec la gloire de Dieu. À cause de mon visage, je ne rentre plus en contact avec la gloire de Dieu. À cause de l'état de mon visage. À cause de l'état de mon visage. Rien ne va dans ma vie. Rien ne va dans ma vie. Mais tu as dit, il faut que tu laves mon visage. Tu as dit qu'il faut que tu laves. Et aujourd'hui, tout ce qui est au niveau de mon visage, aujourd'hui tout ce qui est au niveau qui m'empêchait d'évoluer, dit ça va tomber. Ça va tomber. Qu'est-ce qu'il va envoyer maintenant? Qu'est-ce que Dieu va utiliser pour changer l'aspect de ton visage, pour enlever les malédictions, les voiles, pour que tu retrouves la gaieté, pour que tu retrouves la gloire de Dieu? Dis à quelqu'un, c'est la prière. C'est la prière. Dis, la prière fait tomber le voile. La prière fait la tomber le voile. La prière enlève les malédictions au niveau du visage. La prière enlève les malédictions au niveau du visage. Luc 9, verset 28 à 29, oui. Luc, chapitre 9, le verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, oui. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Oui. Pendant qu'il priait. On dit quoi, il montait sur la montagne pour prier. On dit pendant qu'il quoi? Il priait. Il priait. Mon Dieu, oui. L'aspect de son visage changea. L'aspect de son visage quoi? Changea. Changea. Oui. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Donc son aspect, dans d'autres versions, on a vu tout à l'heure, son aspect, l'aspect de son visage a changé. C'est-à-dire qu'il est monté avec un visage qui était bizarre. Mais quand il est rentré sur la montagne, dans la présence de Dieu, pendant qu'il priait, tout ce qui était voile a commencé à tomber. Amen. Tout ce qui était malédiction a commencé à tomber. Je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un homme de Dieu qui va changer ton histoire. C'est la prière. Tu dois t'élever dans la prière. En te levant dans la prière, tout ce qui est masque était au niveau de ton visage, qui est voile, qui était au niveau de ton visage, qui faisait que personne ne voyait ta beauté, personne ne voyait tes compétences, à travers la prière, ces choses vont tomber. Amen. Ces choses vont tomber. Amen. Ces choses vont tomber. Amen. Arrêtons d'être des spectateurs à l'église. Venez s'asseoir et attendre à ce qu'un homme de Dieu te reçoive. La réception d'un homme de Dieu ne va pas changer sa vie. Mais c'est le fait que tu ouvres ton cœur à la présence de Dieu, la sincérité, associée avec la prière. Mon Jésus, qui est le Dieu de l'univers, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom au-devant duquel tout genou fléchit. Ce Jésus-là, en le priant, va faire tomber ce voile-là et ta vie va changer. Amen. Je dis ce qui te manque n'est pas que tu n'as pas, ce qui te manque n'est pas une histoire de pasteur, de prêtre, ce qui te manque c'est la vie de prière. Amen. Combien de temps tu peux prier? Combien de temps tu peux prier jusqu'à ce que l'aspect de ton visage change? Amen. Combien de temps? Quelqu'un dit je dois m'élever dans la prière. Je dois m'élever dans la prière. Personne ne changera ta vie. Il n'y a que toi-même qui changeras ta vie.
Et tu changeras ta vie par ta vie de prière. Laissez-moi vous dire que la vie n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course d'endurance. Amen. Je reprends. La réussite dans la vie, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Ce n'est pas parce que je cours vite que je vais réussir plus vite que les autres. Parce que je peux courir vite et m'arrêter en route. Amen. Mais je dois courir à un rythme jusqu'à quoi? À atteindre ma destination. Amen. Donc la réussite n'est pas quoi? Une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Amen. Toi, cours, sois pressé. Tu es devant moi, mais tu ne m'as pas encore dépassé. Amen. Tu es devant moi, mais tu ne m'as pas encore dépassé. Quelqu'un dit amen. Amen. Combien d'hommes et de femmes prient dans nos églises aujourd'hui? Dès qu'on dit de prier, tu dors. Dès que la parole de Dieu met qu'elle est sens, tu dors. Mais comment ta vie va changer? La Bible qui montait, il commença à prier. Radamando château. Libababarande baraka. Donc à chaque moment qu'il prononçait une parole, il y avait les écailles qui étaient une malédiction qui tombait. Mantakata, ça tombe, ça tombe. Ça tombe, jusqu'à ce que l'aspect de son visage changeait totalement. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Qu'est-ce qui va enlever encore la honte de ton visage? Psaume 34, verset 6. Oh Seigneur, ce matin, je vais tourner mes regards vers toi. Oui. Psaume 34, le verset 6. Oui. Quand on tourne vers lui les regards. Aïe, 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 aïe. J'aime ce verset. Il dit quand on tourne vers lui, quand on tourne vers le Seigneur nos regards, qu'est-ce qui se passe? Oui. On est rayonnant de joie. Aïe, 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 on est rayonnant de joie. Et quoi? Et le visage ne se couvre pas de honte. Le visage ne se couvre pas de honte. Vers qui tu tournes tes regards quand tu as des problèmes? Si tu tournes tes regards vers les hommes vont te décevoir. Mais tourne tes regards, dans les difficultés ou pas, vers le Seigneur. Ton visage va rayonner de gloire. Amen. Et de joie. Amen. Mon cœur est plein de joie. Mon cœur est plein de paix. Tu dois tourner ton visage vers Dieu. Amen. Et il n'y a pas un âge pour ça. Anne, elle avait 80 ans dans Luc chapitre 1. La Bible dit qu'elle jeûnait et priait. Et cette femme-là, Dieu lui a révélé que l'enfant qui était là était Jésus-Christ. Le jeûne et la prière nous permettent de révéler l'identité des personnes qui nous attaquent. On voit ta main de bizarre. Amen. Au lieu de chercher pasteur, prophète pour vous donner des prophéties, cette femme, Anne, elle était vieille, elle avait 80 ans. Quand elle a touché l'enfant Jésus, elle dit, voici le Messie qui est là. Personne lui a dit le nom. Personne lui a dit que c'est lui. Mais le jeûne et la prière a identifié l'enfant. Tu veux identifier tes sorciers. Tu veux identifier ceux qui sont contre toi. Tu veux identifier tes ennemis. Arrête de courir d'église en église. Fléchis les genoux. Commence à prier. Et pendant que tu seras en train de prier, tu vas entendre, voir tous ceux qui sont contre toi. Amen. Nous-mêmes, c'est ce qu'on fait, puis Dieu nous parle. Où est passée l'église qui prie? Où est passée l'église? L'église à laquelle Dieu a donné cette autorité en disant quoi? Les séjours des morts ne prévaudront point contre toi. La mort ne peut pas atteindre. Mais aujourd'hui, la mort frappe les jeunes vieux. Tant que les jeunes même là, plus que les vieux. C'est aux vieux d'enterrer les enfants. C'est ça? Non, c'est aux enfants d'enterrer les vieux. Mais aujourd'hui, les vieux enterrent les enfants. Parce que nous avons affaire à une jeunesse qui préfère l'argent par rapport à quoi? Par rapport au travail et la connexion avec Dieu. Amen. Où est passé votre niveau de prière? Au lieu d'accuser les hommes de Dieu, l'homme de Dieu est ceci, il est cela. Toi-même, tu es quoi? Quelle est ton identité? Ce qui montre ta maturité, c'est ta capacité à te taire. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit quoi? Lorsque j'étais un enfant, il fait quoi? Pensez comme un enfant. Parler comme un enfant, raisonner. Ceux qui sont dans les églises, vont dans l'église, raisonnent, sont des bébés. On doit aller plus haut. Il y a des mystères qui sont devant. Ce n'est pas à cause de toi qu'on va rester derrière. Et je vous ai dit, la locomotive est tu ne veux pas nous suivre, nous, on continue. Amen. C'est Jésus, si une brebis se paye, il laisse les autres. Et puis, il s'en cherche. Mais de l'autre temps, si tu as laissé les autres là, pour aller chez un là, les 980, ils vont se chercher. L'autre qui est perdu, on le met en prière. Amen. Amen. On le met en prière, Jésus va le ramener. Quand j'entends des chrétiens, qui, des gens qui,
qui connaît des versets bibliques. Mon papa, moi, je suis fâché. Pourquoi? Non. Vous ne me voyez pas à l'église même. Vous ne vous pouvez pas venir me voir. Toi-même, que je suis malade, tu viens me voir. Tu es à nouveau? Hein? Vous ne me voyez pas à l'église même. Vous ne pouvez même pas m'appeler. Tu m'as donné, tu m'as fait transfert. Oh, mais, derrière même, quand tu dis, voilà, quête, il faut faire, tu ne fais pas. Allez là, Abraham. Grandissez. À un moment donné, l'homme quittera son père et sa mère. Tu dois quitter. Quitter veut dire quoi? Tu ne dois plus dépendre de quelqu'un. Ton père et ta mère, c'est celui qui gouverne sur toi. Il y a des moments, la femme ne doit pas dépendre de son homme. Sur le plan finance. On n'a pas dit amen. Tu veux le respect? Travaille. L'homme va te respecter forcé. Parce que tu envoies. Mais quand tu tends trop la main, ça énerve. Amen. Où est passée cette église qui prie? Où est passée cette église qui prie? Si la nuit tu ne dors pas, il te donne le secret. C'est que Dieu veut que tu pries. Toi, tu vois insomnie comme attaque. Ce n'est pas attaque. Dieu veut que tu te lèves pour prier. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de faire dans le monde spirituel à cette heure-là. Donc, il te donne l'insomnie pour que tu pries. Mais toi, tu vois ça comme attaque. Quelle attaque? La Bible que Jésus dit, le diable vient, il n'a rien à moi, il s'en va. Pourquoi toi, tu le diable est toujours en toi? Quel est ton niveau de prière? Hier, nous avons vu un fléau qui détruit l'église. Les mariages ne disent plus. Ou bien les gens sont en relation, leur cœur se brise. Oh, Dieu veut qu'on se marie. Parce qu'à deux, quand un tombe, l'autre le relève. Mais aujourd'hui, tu as peur du partenaire que tu dois prendre. Parce que c'est lui-même qui a te fait tomber. Ou bien c'est elle-même qui a te fait tomber. Amen. Mais si ces deux personnes sont des hommes et des femmes de prière, là où se trouve jeûne et prière, la sincérité, la connaissance de la parole, j'ai dit quand tu fais le mal, là, ton cœur ne reste pas tranquille. Si toi tu fais le mal et puis tu es en paix, c'est que tu es un agent du diable. Amen. Si toi tu rends le mal pour le mal et puis tu es en paix, tu es un agent du diable. Tu n'es plus chrétien. Je sais que le message tu n'aimes pas entendre, mais je vais te dire ça. Il dit qu'on tourne les regards vers lui. On est rayonnant de gloire. Tourne tes regards vers le Seigneur. La gloire de Dieu sera sur toi. Amen. Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire. Au lieu de passer tout votre temps à parler, fléchissez chez nous. Tournez les regards vers lui. Le seul regard, le seul endroit où on tourne le regard, et puis notre aspect change, et puis notre visage change, c'est vers Dieu. Amen. La Bible dit que maudit soit l'homme qui met quoi? Qui met sa confiance en homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne ses regards de l'Éternel. Tu nous fais croire que tu es chrétien, mais la vérité, ta foi est au pasteur et au prophète. On n'est pas Dieu. Nous, on vous montre le chemin, mais on n'est pas le chemin. Jésus est le chemin de la vérité et de la vie. C'est de lui qu'on parle. Amen. Arrêtez de prendre vos caractères de fétichisme, de consultation dans le monde pour envoyer à l'église. Amen. Mais si tu n'as pas dit amen, si tu comprends. Exode 34, verset 29 à 30. L'une des solutions pour que l'aspect de ton visage change. Exode. Vite. Chapitre 34, le verset 29. Oui. Moïse descendit de la montagne. Moïse était monté sur la montagne pour aller gérer 40 jours, 40 nuits. Il a prié. Quand il est descendu de la montagne, Mambocha. Et aujourd'hui, j'ai dit, quand tu vas expérimenter ce que Moïse a expérimenté, mon Dieu, les gens ne pourront plus te reconnaître. Amen. La Bible dit qu'après qu'il est, il est descendu de la montagne, il a quitté la présence de Dieu, oui. Ayant les deux tables de témoignage dans sa main, oui, descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce, oui, qu'il avait parlé avec Dieu. Il dit quoi? Il ne savait pas que la peau de quoi? Son visage. De son visage rayonnait parce que quoi? Il avait parlé en avec. En d'autres termes, quand Dieu parle à quelqu'un, son visage change. Amen. Toi, tu dis Dieu te parle, il y a ton visage. Méchanceté va te tuer. Quel Dieu te parle? Mon Jésus, quand il parle à quelqu'un, il parle avec amour. Quand il parle à quelqu'un, il met la miséricorde dans le cœur de quelqu'un. Il châtie, mais en même temps, il met la miséricorde. On dit la peau de son visage est changée parce qu'il avait parlé avec Dieu. Amen. Quand tu parles avec Dieu, quand tu pries et que Dieu te touche, tout change sur toi. Amen. Mais toi, tu dis Dieu te parle, mais c'est toi qui critiques, qui passes ton temps à critiquer les gens. C'est qui te parle? C'est ton polo, ta chair qui te parle. Hallucination. C'est le film de Jésus que tu as regardé à la télévision. Là. C'est ça qui te parle. Parce qu'il était quitté dans la présence de Dieu.
l'aspect de son visage. Et puis suivez-moi, on dit, lui-même il ne savait même pas. Amen. Mon Dieu, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, quand Dieu commence à te faire du bien, toi-même tu ne sais pas souvent. C'est les gens qui sont à côté pour dire, hey, quelque chose de bon a commencé à t'arriver. Dis, comment ça? Tu es étonné de te voir. Tu vois, ton habillement est en train de changer. Tu es en train de voir, tu déménages. Tu ne te rends pas compte. Dieu bénit. Quand nous aimons la présence de Dieu, Dieu nous bénit et sa bénédiction nous étonne. À quel type de chrétien nous avons affaire maintenant? À quel type d'homme de Dieu nous avons affaire? Les réseaux sociaux ne sont pas la Bible. Les réseaux sociaux ne sont pas l'église pour aller prier. Il y a un temple, il y a un endroit, rends-toi pour prier. Amen. Monte sur la montagne. Va prier. Dieu changera l'aspect de ton visage. Amen. Tes talents cachés vont sortir. Les gens qui te méprisaient vont te donner de quoi? Vont te donner de la valeur. Tous les jours, on ne me respecte pas, j'ai de la valeur. Ta valeur là, ça se prouve. Prouve ta valeur. Mais pour prouver ta valeur, il te faut Dieu comme appui. Amen. Voilà pourquoi il dit, mon, c'est l'appui, c'est l'ami, céleste. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Les gens s'en vont. Cet ami. Cet ami. Chantons Jésus seul, Jésus seul. Dieu change notre vie. Je ne vous parle pas de la présence d'un homme. La présence de Dieu. La magnificence de Dieu. Quand Dieu est présent. Quand Dieu parle, tout fait silence. Quand Dieu est présent, il n'y a pas de distraction. Quand Dieu est présent, je vous dis, il y a une accalmie totale. Un silence. Ça fait du bien à ton corps. Amen. Quand Dieu est présent, tu sens quelque chose qui te fait du bien. Amen. C'est ce qui va rendre ton visage en bonne forme. Quatrième élément qui va nous permettre de changer l'aspect de notre visage pour manifester la gloire de Dieu. Suis-moi très bien. Dis à quelqu'un, cherche à avoir toujours un cœur joyeux. Cherche à avoir toujours un cœur joyeux. Quel que soit ce qu'on traverse comme blessure, comme chagrin, faisons tout pour bannir le chagrin. Un cœur joyeux rend le visage heureux. Amen. Regarde ce que Proverbe 15, verset 13 dit, oui. Proverbe 15, le verset 13, un cœur joyeux rend le visage serein. Ah! Donc quand ton cœur est joyeux, ton visage est comment? Serein. Serein. Ça ne veut pas dire ton visage est serré, fâché. C'est-à-dire que tu es imperturbable. Amen. Personne ne peut te convaincre de quoi que ce soit. Amen. Tu es sûr de ton identité. Tu es sûr de ce que tu veux. Tu es sûr de où tu es quitté, où tu t'en vas. Amen. Il n'y a aucune confusion. Amen. Mais c'est dû à quoi? La joie est dans mon cœur. Amen. Ne laissez plus un homme ou une femme voler votre joie. Si la relation n'a pas marché, on n'a qu'à se laisser, c'est bon. Si elle ne veut plus de toi, laisse-la. Il ne veut plus de toi, laisse-la. Ça fait mal. Tourne la page. C'est un livre. Ce n'est pas la dernière page du livre. Amen. Il y a une autre page qui est là. Amen. Mais ce que la personne ne sait pas, quand tu vas finir de tourner cette page, que Dieu va te envoyer une nouvelle page, c'est maintenant l'ancienne page va vouloir venir. Ça sera trop tard. Amen. Il dit un cœur joyeux rend le visage serein. Tu es incertaine. Parce que tu n'as plus de joie en toi. Parce qu'on a affaire à des manipulateurs et des manipulatrices. La personne ne veut plus, il ne faut plus forcer. Il faut laisser. Amen. De toutes les façons, la personne même te rend mal à l'aise et puis la personne vit sa vie. Et puis c'est toi qui en souffres. Fais tout. On a vu hier, il dit bannir le chagrin. Parce que si le chagrin est continuel, ça va te déstabiliser. Tu as une relation, la personne te fait comme ça. Quand tu as l'argent, elle est là. Quand tu n'as pas l'argent, elle n'est pas là. Quitte dans ça. Amen. La personne n'a pas raison, mais la personne va renverser. Ça, c'est les manipulateurs, les manipulatrices. Ça n'a pas demandé pardon. On ne te demande pas pardon parce qu'on a raison. On ne te demande pas pardon parce qu'on a tort. On te demande pardon parce qu'on aime la paix. Amen. Mais les manipulateurs, ils se croient au-dessus de toi. Quand quoi? Les manipulateurs, les manipulatrices
veut se croire au-dessus de toi, toujours te fait entendre que c'est toi qui as tort. Pourquoi tu demandes pardon? Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est bon, on tourne la page. Amen. Faut gâter, non, là, c'est fini. Mais au moins, j'ai été dans quelque chose où Dieu va m'envoyer dans quelque chose de bon. Amen. Parce que la Bible dit, il dit quoi? La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Pas parce que le temple de Salomon coûtait cher, mais le second temple, ça ne coûtait pas cher. Mais cette gloire-là était plus grande que celle qui coûtait cher physiquement. Pourquoi? Parce que dans le temple, le deuxième temple, Jésus-Christ de Nazareth est venu dedans. Amen. On ne va pas passer tout notre temps à être à ce stade. Évolue. Cherche ce qui va te donner la paix. Cherche ce qui va te donner la joie. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Tourne la page. On n'a pas dit que ça sera facile. Mais fais tout pour que ton cœur soit joyeux. Parce que quand ton cœur est perturbé, tu ne peux pas réaliser tes projets. Amen. Que Dieu nous donne la force. Amen. Dans ces moments difficiles que chacun traverse, que ce soit chagrin de quoi, d'argent, chagrin d'amour, chagrin de quoi, de travail, trouve la force d'avoir la joie pour que ton visage soit serein. Amen. Quand ton visage est serein, Yéri, quand on fait un entretien, on monte, on descend, c'est toi qui vas prendre. Parce qu'il n'y a aucun doute. L'humain qui pose question, même doute de lui-même, ses capacités, il te pose question tellement que tu n'es pas effrayé. Ah, vraiment, je ne sais pas si c'est Yao, si c'est Kwadjo, si c'est Kwasi Kwadjo, Kwasi Gonan, toujours en train de tergiverser. T'attends quoi? Ton visage n'est pas serein. Soit tu laisses, soit tu prends, vous priez, vous partez. Mais arrête de me barrer la route. Arrête de barrer la route à quelqu'un. Amen. Vous ne répondez pas amen. Amen. Mais c'est ce qui est ça. Ce qui va nous permettre de changer l'aspect de notre visage, suis-moi bien, c'est de prendre la bonne décision. Genèse 4, verset 7. Quand il avait dit quoi? Il dit si ton cœur. Genèse 4, verset 7. Il dit, j'ai vu ton cœur triste, oui, ton cœur triste et abattu. Oui. Certainement, si tu agis bien. Il dit quoi? Si tu agis bien, ton visage quoi? Tu relèveras ton visage. Quelqu'un dit amen. Amen. Il avait son visage abattu. On a lu ça, le verset 6. Caïn avait le visage abattu et triste, non? Amen. Mais Dieu dit quoi? Pour que ton visage redevienne nouveau, pour que la joie revienne, il faut agir bien. En d'autres termes, dites amen. Amen. Arrêtez de rendre le mal pour le mal. Il dit si tu agis bien, donc poser de bonnes actions, ça fait quoi? Ça donne de la gloire à nos visages. Que les gens te fassent du mal. Toi, tu n'es pas né avec le mal. Eux là, ils sont nés avec le mal, ils n'ont qu'à rester comme ça. Toi, fais le bien. Amen. Le bien que tu fais aux gens, ça permet à la gloire de Dieu de se manifester dans ta vie. Amen. Tu as assis, tu nous fais. Maintenant, tu as un problème, là, tu nous connais. Mais quand tu avais l'argent, tu insultais tout le monde. Tu n'avais aucun respect pour quelqu'un. Même un service, il ne rendait pas. Ah, maintenant, tu as un problème, maintenant, Jésus n'a qu'à faire. Il ne va rien faire ici. Le bien. Donner à manger aux gens. S'occuper des gens. Aimer l'œuvre de Dieu. Tu as assis dans l'église pendant qu'on a des travaux. Mais tu as l'argent pour payer mes chemins. Tu as l'argent dans ta basquille, ça, là, ta chérie, là, elle est de l'autre côté. Tu l'as au moins 120 000. Mais pourtant, on a des travaux. Et puis tu as venu t'asseoir pouf comme ça. Un pasteur, c'est ton bras là qui est quelqu'un. Non, franchement, vous êtes méchants. Ce n'est pas un jus. Il faut qu'on se dise la vérité. Les chrétiens sont des très méchants et très égocentriques et égoïstes. Égocentriques, tu es quoi? Ils sont centrés sur eux-mêmes. Mais ce que tu ne sais pas, demandez à mon ami Job. En une seule journée, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a compris la leçon. Il dit quoi? Nous sommes venus nus en retenue nue. Donc ce que tu penses que c'est l'argent qui te donne statut. Si c'est quoi? C'est l'argent qui fait qu'on te respecte. Si c'est maison que tu as qui fait qu'on te respecte, tu n'as rien compris. C'est ton identité en Christ qui va faire que les gens vont avoir peur de toi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais tu ne peux pas lui parler mal. Parce qu'il est serein. Il n'a pas l'argent. Mais tu ne peux pas venir t'amuser pour dire, maman, tu connais? Ce qu'on appelle l'individu, on connaît. Ce qu'on appelle hé, là, on connaît. Toi, les gens t'appellent hé. Ça dépend de comment tu t'habilles. Ça dépend de comment tu parles. Tu t'habilles, tu viens, tu parles dans le quartier. Un jour, c'est madame, mais tu es une petite fille. Le respect en faisant le bien. Il y a des gens, nourriture là, tu ne peux pas finir. Mais tellement qu'ils sont égoïstes. Mais bon, ce sont les derniers temps. C'est là, 2 Corinthiens quoi? C'est 2 Corinthiens 4. Il dit quoi? Dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, rebelles, hautains, orgueilleux.
Tout ce qui t'intéresse, c'est de payer. J'ai dit, on va t'enterrer avec tes chaussures et tes robes. On va t'enterrer ça. Et on va mettre celui ou celle qui aimait les Gucci, les Lamborghini, tout ça là. Ta voiture là, maman, met ça dans ton. Diamant, tu es malade, tu es à l'hôpital, non? Les parents du village là, s'ils n'ont pas vu il y a longtemps là, ils ont rien dans les miroirs là-bas, dans les scanners, tu es à douf. Et tous sont déjà là. On commence à demander à ta femme, où sont les biens de nos frères là? Tu n'es pas encore mort. On lui t'héritage chez toi. Dis amen. Amen. Tu sais ton visage pour me donner? Non, je n'ai pas serré l'évangile. La Bible est celui qui a un visage serré, c'est qu'il a un voile. C'est tout. Donc le visage que tu serres là, ça prouve déjà même que la malédiction est derrière toi. On vient de lire ça tout à l'heure. Quatrième des choses, suis-moi bien. Pour que ton visage redevienne bien, tu dois détourner ton regard des choses que Dieu n'aime pas. Prends-moi. Genèse 9, verset 23. Alors que dans Deutéronome, Dieu dit quoi? La Bible dit qu'un enfant ne doit pas regarder quoi? La nudité de son père et de sa mère. Voici Noé qui avait bu, qui était au milieu de sa tente. Oui. Genèse chapitre 9, le verset 23. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Et quoi? Couvrir la nudité de leur père, oui. Comme leur visage était détourné. On dit quoi? Comme leur visage était quoi? Détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Deutéronome dit, il est interdit à un enfant de voir la nudité de leur père. Donc s'ils voient son père nu, ils sont maudits. Donc pour éviter qu'ils soient maudits, ils ont fait quoi? Ils ont détourné le regard. Toi tu es chrétien, mais c'est toi qui aimes aller regarder les filles en train de se laver. Tu es chrétien, c'est toi qui, tu es là, tu aimes regarder les garçons en train de se laver. Ou bien quand toi tu le regardes là, tu ne regardes pas son visage, c'est en bas seulement tu cherches à regarder. Pour voir la longueur, la hauteur et la largeur. Impudique que tu sois. Amen. Si Dieu pouvait ouvrir nos cœurs ici, tu vas comprendre. Il y a des gens, mais eux-mêmes m'ont déjà défiguré où ils sont là. Ils imaginent tout. Mais tu es perdu. Sors! Amen. Il y a un qui dit, premier regard n'est pas péché, mais c'est deuxième regard. Que c'est sur les mots. Il voulait regarder quelque chose là. Il a regardé, non. Puis il a fait, non, le Seigneur n'aime pas. Et puis il dit, passez, je sens Djinamori. Et Djinamori, c'est quoi? Il dit, tu ne connais pas Djinamori. Il dit, je tords mon cou pour ne pas aller là-bas. Mais ça va être, non. Il faut qu'on, mais il a cédé. Quand ils ont couvert la nudité de leur père. Suis-moi bien. Parce qu'ils avaient le quoi? Le regard détourné. Quand le père s'est levé, il a maudit celui qui a réalisé sa nudité. En d'autres termes, je peux te parler? Tu t'attires dans la malédiction quand tu t'occupes de la vie des autres. Amen. La vie des autres, là, ça ne t'intéresse pas. Occupe-toi de ta vie. Et dis quoi? Avant de voir quoi? La paille qui se trouve où? Dans les yeux des autres. Il faut voir la poutre qui est chez toi. L'autre là, c'est paille. Attends, poutre là, c'est bois, hein? Ah, c'est ce que... Hey, tes défauts là, c'est plus gros que celui que tu juges. Ça, on n'a pas encore en parler. Il dit quoi, la paille? Paille là, c'est herbe. Ça, c'est paille qui est chez les autres. Mais dans tes yeux là, c'est poutre, c'est gros bois. Amen. C'est parce qu'on ne veut pas en parler. Tu parles pour les autres, mais si on veut parler de pour toi. Mais toi-même, tu t'exposes sans te rendre compte. Tu n'as pas remarqué que tout le monde te fuit. Au même quand tu parles, tout le monde t'écoute. Parce que pour finir, tout le monde sait que c'est comme ça que tu es. C'est ta manière de te faire aimer. Attends, retenez aujourd'hui, il y a des personnes pour se faire aimer, sont obligées de toujours parler. Retenez ça comme ça. Oh, ce n'est pas partout. Quelqu'un qui est mature ne parle pas quand il veut comme il veut. Il doit apprendre à se taire, à écouter aussi les autres. Amen. Comment on appelle? Hier là, on n'a même pas encore fini de parler. Ah, hier là, il y a eu un incendie. Oh, c'est faux, on voulait dire que hier on est parti à l'église. Quand on est parti à l'église, mais c'est la même chose là. Après l'incendie là, je ne suis pas parti à l'église aussi. C'est quoi? Pata, 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 pata. L'ami qui a la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Il y a des moments où il faut apprendre à être sage. Après, c'est pour dire sorcier. Le dernier aspect, Genèse 43, verset 31, ça va couler.
ça rentre avec ce que Jésus a fait. Amen. En fait, j'ai cité la prière, toutes ces choses. Maintenant, il faut poser maintenant une action prophétique, physique, qui aura un impact. Genèse 43, verset 31. Allons vite, allons vite. Genèse 43, le verset 31. Oui. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. Amen. Amen. Il avait retrouvé ses frères. Il était triste. Pour retrouver la joie, il a lavé son visage. Jésus a dit, si je ne vous lave pas la tête, les pieds et les mains, vous n'aurez aucune part. Tu as besoin que le Seigneur lave ton visage. Amen. Pour changer d'aspect. Et regarde, quand ton visage va changer d'aspect par la vie de prière, en faisant le bien, le jeûne, mon Dieu, aucune chose ne peut te résister. La Bible dit, Élie, nous avons lu tout à l'heure dans 1 Roi 18, verset 41 à 45. Amen. La Bible dit quoi? Pour faire descendre la pluie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son visage où? Entre ses genoux. Amen. Si son visage était mal en point, la pluie n'allait pas tomber. Si son visage était couvert, la pluie n'allait pas tomber. Il n'y avait aucune malédiction. Il était dans la présence de Dieu. Donc, ayant mis quoi? Son visage entre les genoux, la pluie est tombée. En d'autres termes, quand l'aspect de ton visage va changer, la prière va changer, les couvertures spirituelles sataniques qui sont dans ton visage vont tomber. Quand tu vas crier au Seigneur, un miracle va descendre. Amen. Il y avait quoi? 3 ans et demi qui n'avaient pas eu de pluie. Mais à travers quoi? L'aspect du genou et du visage. La pluie est tombée. Veux-tu un miracle? Change l'aspect de ton visage. Amen. Tu veux vivre quelque chose de grand? Commence à rentrer dans la présence de Dieu. Commence à laisser des mauvaises habitudes. Commence à détenir ton cœur du mal. Commence à faire le bien. Et en faisant le bien, Dieu va faire beaucoup de choses pour toi. Amen. Regarde, aujourd'hui, c'est vrai. Il y a une chose que j'ai pu retenir avec le Seigneur. Il m'a fait comprendre. Il dit, c'est pas parce que... Il faut que tu comprennes que c'est pas parce que d'autres personnes qui sont passées par des souffrances vivent des bonheurs aujourd'hui. Et que toi tu vis des moments difficiles, qu'eux, ils ne vont pas savourer les joies. Mais bien entendu, la personne a souffert. Et son résultat, il faut qu'il savoure. Donc, ce n'est pas parce que chez toi, c'est difficile aujourd'hui que la personne n'a pas manifesté sa joie. Pendant que la personne souffrait, toi, tu riais. Donc, à son tour, souffre qu'il manifeste sa joie. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit Seigneur. Seigneur. Aujourd'hui, trop, c'est trop. Aujourd'hui, trop, c'est trop. Tiens-toi debout comme un vaillant. Dis aujourd'hui, trop, c'est trop. Aujourd'hui, trop, c'est trop. Dis trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà pourquoi je vous invite à revoir tous nos moments de prière, de culte, de prophétie sur notre plateforme YouTube. Tu tapes prophète Béranger Kouassi. Il y a tous nos messages qui sont là-bas. Tu cliques sur la cloche abonné. Quand tu es abonné, ça soit gris ou bien blanc. Quand tu n'es pas abonné, ça soit en rouge. Quand tu cliques sur abonné, tu peux trouver toutes les vidéos possibles. Mais tu peux aussi partager. Sur notre page YouTube, il y a la flèche, ils ont mis partage. Clique dessus, tu peux envoyer sur des amis Facebook, Instagram, WhatsApp, pour envoyer le lien de façon individuelle à quelqu'un. Pour que la personne soit bénie par les messages, les temps de prière. Quelqu'un n'a pas dit amen. Est-ce que le message vous a fait du bien? Alors partagez. Oui, il y a des moments où il faut qu'on vous dise la vérité. L'évangile n'est pas là. J'ai dit, on n'est pas là pour vous caresser. On ne prend pas l'évangile pour caresser quelqu'un. On prend l'évangile pour construire quelqu'un. La Bible n'est pas là pour répondre à nos caprices. La Bible est là pour nous construire. Or, pour construire quelqu'un, la personne peut ne pas vouloir. Souvent, attends, un enfant dit, je ne vais pas à l'école. Tu ne le dis pas de force. Mais quand il va à l'école et que demain, il travaille, il se rend compte que quoi? C'est que ton père a fait était bon. Souvent, il faut qu'on vous force à des choses. Ça vous fait mal, mais c'est pour un bon résultat demain. Je déchire. Tout va tout voile de célibat sur mon visage. Tout voile de pauvreté sur mon visage est déchiré. Est déchiré. Est déchiré. Tout voile de honte a été mis sur mon visage est déchiré. Est déchiré. Je déchire tout voile de malédiction. Je déchire tout voile
de malédiction, tout voile de misère. Oh Seigneur, tout voile de stérilité sur mon visage est déchiré. Je déchire tout voile de rejet, tout voile de non-accomplissement, Jésus. Il dit si son père l'avait craché quoi? Au visage. Est-ce qu'elle ne serait pas quoi sur la malédiction pendant combien? Sept jours. Il y a des gens, leur visage est rempli de crachats. C'est devenu une malédiction. Amen. Ça fait que personne ne voit ta beauté, personne ne veut t'aider. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Toute malédiction qui est sur mon visage. Qui fait que mon visage n'arrive pas à briller. Mon étoile n'arrive pas à briller. Le mariage ne dure pas. Le travail ne vient pas. Je suis tout le temps malade. Toute malédiction au niveau de mon visage. Je prise toute malédiction qui est au mon visage, qui m'empêche de travailler, qui m'empêche de voyager. Je prise toutes les malédictions qui ont été jetées à mon visage pour m'empêcher de briller, empêcher mon étoile de briller. Ce matin, Sois brisé. Brisé toute malédiction rattachée à mon visage. Tombe ce matin. Toute malédiction. Je brise toute malédiction placée à mon visage. Toute malédiction qui m'empêche de rentrer dans ma destinée prophétique qui a été attachée à mon visage. Tombe ce matin. Je prie ça. Lakabo. Rasantake. Rubayadasa. Papa Shika. Rasadisa. Seigneur. Que tout esprit. De tout acte qu'un homme va poser ou une femme va poser. Tout acte qu'un homme doit poser. Qui a pour but d'envoyer le chagrin dans mon cœur. Pour que mon visage soit pâle. Seigneur. Ce matin. Tout ce qui est tristesse. Tout ce qui est douleur. Sors. Seigneur, tout ce qui est douleur, tristesse, chagrin, qui se ressent sur mon visage, ce matin, sors. Amen. Assieds-toi.
Là, vraiment avancé. Il nous reste 30 au plus 40 minutes parce que on doit quitter ici. Maman, c'est quelle prière tu fais? On a fini de prier, tu pries encore. Hein? Tu demandes quoi à Dieu? Tu dis quoi? Pendant qu'on a fini de prier, tu pries encore. Tu dis quoi? Faut me dire ta prière là, et voir. Tu veux retrouver la santé. Tu veux retrouver la santé. Tu veux retrouver la santé, non? Tu vas retrouver la santé. Tu vas retrouver la santé. Ton visage là, ça va recommencer à briller. Hein? Voilà, ce que tu n'as pas pu réaliser. Dieu va permettre à ce que les enfants puissent réaliser ça. La vie de honte, la Bible dit que quoi? Quand on a les regards tournés vers lui, on dit quoi? On a quoi? Un visage qui est... On est rayonnant de gloire. Et puis le visage est quoi? Est rempli de quoi? Nos visages n'ont pas de confusion. On n'est plus confus en lui. Amen. La honte ne sera plus jamais ton partage. Amen. Que Dieu te donne la santé comme tu l'as demandé. Amen. En causer maintenant. Lève-toi, en causer un peu. Et si là, quand c'est vrai, tu dis c'est vrai. Quand c'est faux, tu dis c'est faux. Ne faut pas t'inquiéter. La Bible dit quand le cœur est joyeux, le visage est serein. Je suis serein dans mon travail. Je me retrouve avec des yeux. Il y a des yeux qui sont en eau. Des yeux de couleur blanche. Et puis les yeux ordinaires là, qui sont comme la couleur, non pas beige, le nom, le truc là, comme ça là. Donnez-moi le truc là. Saumon. Coquille là, c'est du saumon. Il me retrouve avec ses yeux là. Avec ton papa là. Tu as les frères et sœurs différents. Est-ce que ton papa est une seule femme? Hein? Oui. C'est pourquoi je te demande ça. Parce que la couleur de ses yeux là, c'est pas normal. En temps normal, tout doit être ensemble. Mais les couleurs là, il y a d'autres qui sont en blanc, puis il y a d'autres qui ont couleur normale. C'est pas normal. Ça veut dire que le cordon ombilical de d'autres enfants sont liés à quelqu'un d'autre. La honte ou la maladie que tu es en train de vivre là, Dieu peut guérir ça, il peut faire ça. Mais parmi les yeux là, je vois si un de vous, ils ont écrit Antoinette. Dis dans le micro, qui est Antoinette, maman? C'est moi. Toi, tu t'appelles Antoinette? Je m'appelle Antoinette. Tu t'appelles Antoinette? Oui. Tu m'as dit ton nom qui t'appelle Antoinette? Je m'appelle Antoinette. Est-ce que tu m'as dit que tu t'appelles Antoinette? Non. Mais à côté d'Antoinette là, l'autre côté, l'autre œuf normal là, ils ont écrit Huguette dessus là-bas. Qui est Huguette? Voilà pourquoi tu as demandé les enfants de ton mari. Parce que ton père est là. Pourquoi j'ai dit ça? Je me retrouve maintenant. Il a élevé d'autres enfants. Et les autres couleurs là, il y a autre œuf où j'ai vu Odile dessus. C'est ma grande sœur. Odile, c'est ta grande sœur. Hein? Elle, vous avez même couleur. Mais Huguette là, elle est sur l'autre couleur. Maintenant, dis-moi qui est parfait. Ça doit être un neveu. Ou elle ne voit pas. Parfait est lié à quelqu'un qui s'appelle Karine. Elle ne voit pas. Karine, oui, Seigneur. Karine est liée à ton frère Bernard. Karine ou Corinne, un truc comme ça, faut demander. Souvent on l'appelle Joey. Est-ce qu'elle connaît ses parents? Je connais mes parents. Tu connais tes parents? Mais tu ne vois pas les noms là encore. Ok. Je vais aller plus loin. C'est que les noms qui vont sortir alors, c'est que tu ne vas pas connaître. Allez-y, peut-être que je peux connaître d'autres. Donc, c'est que tu ne connais pas Estelle alors? Je connais Estelle. Estelle, c'est qui? C'est ma nièce. C'est ta nièce, ok. Estelle est collée à parfait. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que... Tu es couché dans une case d'adoration. Dans un village. Mais le village là, tantôt on t'enlève du village là, tel qu'on te met sur une natte de façon spirituelle, tantôt on s'en est déposé dans l'autre village. Mais le village même où on te laisse même truc, c'est, il entend Niaprayo. C'est mon village. Tu viens de Niaprayo. Oui. Hein? Oui. Mais l'autre village,
où on va prendre renfort. C'est-à-dire que quand on essaie de te retrouver, pour que tu te retrouves, où on est en train de te déposer là, c'est ta quoi? Ta quoi? Un visage comme ça, ta quoi? Oui, c'est le village de la femme de mon grand frère. Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Papa, merci sur toi. Hein? Papa, tu as fait quoi avec... Tu as eu quelle histoire avec ce monsieur et puis il a gardé dedans comme ça. Le monsieur là, il s'appelle Bernard. Mais il est d'un village qu'on appelle Gezem. J'entends Gezem, mais Gezem, un truc comme ça. Si tu ne vois pas, je vais pousser le prophétique long, loin pour que tu vois. Ouais. Vois Zouri. Zouri. Zouri Bernard. Zouri Bernard. Oui. Bon, il y a Zouri Bernard qui est du même village que moi. Il est le même village que toi. Ouais, ouais. Mais il a un côté, il faut voir le visage Gezem ou bien Gezem, si ça n'existe pas dans ton truc. Non, Gezem, ça existe, ça est après Guibéroa. Ok. Le Bernard, là, il est chez toi, non? Oui. Il est de... Jory Bernard, que je viens de dire. Vous êtes du même village. Oui, oui. Mais il a des réalisations, il a quelque chose, il est rattaché à ce village que je viens de dire, là. Et je veux que tu l'appelles, ils vont te confirmer sur quelque chose. Vous avez eu quoi? À une année, qu'est-ce qui s'est passé comme un truc comme une rivalité et puis c'est fâché? Non, ce n'est pas femme, hein? C'est pas femme. Comme si quelque chose qu'on devait, un événement qu'on devait organiser. Et puis c'est toi qu'on a mis devant. Vous voyez, à chaque fois, c'est toi qu'on met devant. Puis comme il s'est senti frustré, c'était comme des funérailles. Tu as cotisé beaucoup. Lui, il n'a pas donné beaucoup. Les gens même l'ont humilié. À cause de toi. Il fait quoi comme activité? Bernard, il était chauffeur à la Solibra. Il était chauffeur, non? Chauffeur d'hiver à la Solibra. Donc, il était chauffeur. Ouais, ouais. OK. Quand il y a les côtes, quand il y a les veillées, comme on appelle, au niveau de, comme on appelle, du village, vous vous retrouvez ensemble, vous faites la grande réunion. Quand vous faites réunion, est-ce qu'il parle? Bon, c'est pas à toi qu'on donne la parole. Non, c'est pas. On donne la parole à qui? Bon, laisse son nom. OK. Maintenant, lui, pourquoi il se sent frustré envers toi? Bon, Bernard et moi, sincèrement, on n'a pas trop de relations comme ça. Hein. Vous n'avez pas trop de relations comme non. C'est vrai, vous n'avez pas trop de relations. Mais le jour où vous avez eu une relation, là, il y a eu une frustration qui s'est posée quelque part. Mais c'est lors d'un funérail. Bernard, Zouri, Bernard, bon. C'est quelqu'un. Réfléchis encore, j'en reviens là. Ouais. Et quand tu vas l'appeler, il est rattaché à ce village qu'il vient de dire là. Deuxième. Oui. Il est rattaché à ce village. Bon. Cette fois-ci, là, ça va hors d'ici. Quelqu'un peut me prendre un téléphone? Fabrice. Pas forcément Fabrice. Mireille, appelle-moi Fabienne. Appelle-moi ta soeur. Entre vous, chacun n'a qu'à composer son numéro. Je vais parler avec elle. Mon petit, tu dis le nom que je t'ai dit d'aller demander. Tu as retrouvé Martel, hein? On dit quoi? Il a dit de demander à ton papa. Tu dis, c'est le frère de ton papa. Hein? Voilà. Maintenant, quand tu as dit ça, là, excuse-moi. C'est bizarre, hein, où tu es, là. Je te vois dans l'eau... Vers Sénégal là-bas, je ne sais pas pourquoi. Oh, pourtant, tu es en Côte d'Ivoire ici. Qui est Gaï? C'est mon papa, c'est son nom. C'est le prénom de ton papa, Gaï? C'est dans son nom. Dieu. Peut-être là, il se retrouve au Sénégal, hein? Depuis, on le cherche en Côte d'Ivoire, il le retrouve, quelque part chez les Abdou Diouf. Madame Diouf. Hein, c'est son téléphone passe. La personne à qui je vais parler à son mari. C'est son mari. Mettez au parleur. Mettez le téléphone et puis mettez au parleur. Maman, tu vas retrouver la santé au nom de Jésus-Christ.
tu vas retrouver la dignité au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu vas retrouver la dignité. Ce que les gens ont pris chez toi là. De toute façon, on transporte ton ville. On transporte ton corps pour partir là. Tout ce qui est adoration de ce village là qui est en train de teindre vos familles, c'est brisé au nom de Jésus. Hein? Il a un téléphone. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Faut lui dire c'est le pasteur. Faut lui dire c'est le pasteur où tu pries qui lui parle. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, pasteur. Ok, comment allez-vous? Oui, je vais bien, par exemple. Ok, est-ce... Je suis en train de... On est en train de prier, puis mon esprit s'est ouvert un peu sur vous. Est-ce qu'on peut causer? Oui, on peut causer. Ok, d'accord. D'abord, le Seigneur me dit de te dire, il faut faire cette prière avec moi. Il faut faire, dire notre Père qui est aux cieux. Pardon? Fais notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit sur faite. La terre. Sur la terre. Comme au ciel. Comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui. Notre pain de ce jour. Notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi. À ceux qui nous ont offensés. À ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Tu as fini de faire la prière, non? Oui. Ok. La prière ouvre maintenant ton prophétique. Tu sais, le Seigneur me montre, tu as un cœur bien, un cœur bon, c'est bon, tout ça. Mais, il y a des cercueils qui sont ouverts. Ils ont déjà fermé d'autres. D'accord. Le prochain qui est ouvert, le nom qu'ils ont écrit dessus là, c'est Sylvain. Oui. Qui est Sylvain? Sylvain, c'est moi. Est-ce que vous m'avez dit votre nom? Non, non. Ok. Quand j'ai entendu Sylvain, Dieu dit, Sylvain ne mourra pas parce que Sylvain, je l'ai choisi. Les autres cercueils qu'ils ont fermés, les deux années, c'est-à-dire que de 2020 à 2021 a été une année éprouvante pour toi et ta famille. Je vois des personnes dans les cercueils qu'on a fermés, c'est-à-dire que les cercueils sont couchés et puis il y a un cercueil qui est ouvert, c'est toi qu'on doit fermer. Mais les cercueils qui sont fermés là, de 2020 à 2022, 2020 à 2021, je vois déjà un enfant qu'on a mis dans le cercueil. La sorcellerie a tué, mais son nom que j'entends Nina, mais son petit prénom c'est Eli. C'est qui? Eli, Eli, c'est mon neveu. C'est ton neveu, c'est l'enfant de ta soeur. L'enfant de ma soeur. Il est mort. Oui, il est décédé. Deuxième des choses, il y a un cercueil, tu as vu, là ils ont fermé, mais ça s'ouvre, ça s'ouvre. Mais le nom que j'entends c'est Viviane. Qui est Viviane? Il a créé Viviane. Viviane. Oui. Viviane, c'est ma nièce. C'est ta nièce. Ils ont fermé le cercueil. Est-ce qu'elle est encore en vie? Non, elle est décédée en 2016. Hein? Elle est décédée en 2016. Je ne comprends pas. Elle est décédée. Ah, il dit elle est décédée aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Maintenant, le dernier cercueil, lui, il est plus large. Et c'est grâce à ce cercueil-là qu'on va terminer. C'est-à-dire que on va maintenant vous atteindre, vous tous. Mais avant d'aller loin, je te demande qui est. Qui on appelle mamie là? C'est qui? Mamie, mamie. Vous appelez quotidiennement mamie, c'est qui? Mamie, c'est ma grande soeur. Mamie, c'est ta grande soeur. Excuse-moi, c'est toi qui s'appelle Daniel. Hein? Daniel, c'est qui ça? Daniel, c'est ma demi-soeur décédée à longtemps. C'est ta demi-soeur aussi. Elles sont cercueil est fermé. Ok, il n'y a pas de problème. Qui est Joël? Joël, c'est mamie là. Joël, c'est mamie, non? Ok, d'accord. Qui est Arsène? Arsène. Oui. Arsène, c'est mon cousin. Arsène, ok. Donc, c'est ton parent. Maintenant, tous ces noms-là riment à quoi? Ça rime à une seule chose. Parce que toutes ces personnes-là sont rattachées à une femme qu'on a fermée. C'est elle, son cercueil est gros. Et le nom que je vois dessus, les gens l'appellent Manlou. C'est ta mère.
Manlou, c'est ta mère? Manlou, oui, c'est ma mère. Mais précisément, on l'appelle Marie. Oui, c'est ça. Elle est décédée. En 2020-2021? Hein? Elle est décédée? Oui, elle est décédée. Quand? En 2020. Ok, donc c'est 2020-2021. Oui. C'est ça, non? Oui, okay. Oui. Maintenant, le cercueil qu'on doit fermer maintenant, c'est toi. Tous les problèmes que tu es en train de vivre là, on veut que tu meurs par accident. Mais dites-lui que il a... Seigneur, il y a des gens... Monsieur, il y a des gens qui intercèdent pour vous quelque part. Ce que je vais te dire là, ça va t'étonner. Continue de faire ça. Est-ce que tu m'entends? Oui. Je te vois tellement tu aimes Dieu. Tu es en train d'aider des gens dans une église. Et cette église qu'ils sont en train de voir, ça se trouve à Akwedo. Et précisément, le nom de cette église, c'est Sainte Rita. Oui, c'est ça. C'est quoi que c'est ça? Oui, c'est mon église. À cause de ces actes, Dieu te sauve aujourd'hui. À partir de demain, oui. Demain quand? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, il faut rentrer dans un moment de jeûne fort. Parce que l'esprit de mort a décidé de prendre. Mais ces bizarres, si on ne le prend pas, ils vont prendre un enfant qu'on appelle Ethan. C'est votre neveu. Monsieur, il a coupé. Vous êtes là? Allô? Si on ne t'a pas pris, ils vont prendre Ethan. Nathan. Nathan. Oui. Ok, d'accord. Ethan, Nathan. Non, le prophétique pousse trop haut. Mais ça ne va pas arriver. Amen. Dis-lui qu'il ne va pas mourir. Dieu lui promet un grand boulot encore. Dis-lui ça. Amen. À cause des actes qu'il a posés pour Dieu. Mais les 4 jours, là, il n'a qu'à être en jeûne. Dis-lui, il faut dire, le pasteur il est jeûné 4 jours. Il dit de jeûner 4 jours. Donc il commence mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et puis dimanche, il vient me vivre. Et puis dimanche, tu viens à l'église. J'ai prié pour lui. Je vais fermer cette tombe-là. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Amen. Vous t'amènes là, ça fait bizarre. Amen. C'est quoi? C'est quoi le problème? Donc on est devenu quoi? Non, on était meilleur, on est devenu super. C'est qui me fait mal, mes enfants ne vont pas profiter de ça. Il est où mon fils Stanislas là? Regardez. Moi-même, je suis fâché à toi. Mais mon fâché, toi, va pas loin. Après, je vais te causer. Je vais te causer. Tu vas payer chemise homme des papas. Et puis, tu vas venir me donner. Je vais prier dessus. Je vais aller donner à un monsieur qui s'appelle Léon. Tu vas lui donner à Léon pour lui demander pardon. C'est ton papa. Ton papa est fâché contre toi. Oui. Ton papa est fâché contre toi. Il faut que tu partes poser cette action dans sa vie pour arracher une bénédiction. Je ne peux pas parler maintenant. Après, je veux qu'on cause. Mais c'est où tu as m'attrapé pour causer. C'est de ça qu'on parle. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un même? Amen. C'est là qu'on m'a parlé. Tous ces parents-là, tu connais? Vous les connaissez, tous ces parents-là? Hein? Ah. Vous m'avez présenté quelqu'un. Le prophétique, quand il veut localiser quelqu'un, c'est comme ça. On vous dit, venez à l'église. Quand vous ne venez pas à l'église, là, c'est ça. Quand vous avez couverture, papa, il y a des jours là, ça revient encore. Tu vas te rappeler, tu as vu, me dit, je vais après, comme tu dis, il n'y a rien qui s'est passé là. Il faut lui demander seulement ce village-là.
dès qu'il te confirme qu'il connaît ce village, qu'il est déjà parti là-bas, hein, qu'il a déjà fait des choses là-bas, moi, je viens terminer le reste. Oui, vous passez, mais lui-même là, il a un attachement là-bas. Il y a quelque chose là-bas. Quand tu as fini de lui demander, tu vas comprendre que dans la vie là, il y a des gens qui rient à toi, mais ils ne t'ont jamais porté dans le cœur. Yéry, tu vas comprendre qu'il y a des gens là. Ce que tu as eu, le poste que tu as eu, j'aurais souhaité avoir pour qu'on puisse l'honorer. Il y a des gens comme ça. Ça leur fait mal que ça va. Que Dieu vous bénisse abondamment dans la salle. Amen. Votre amen, là, c'est bizarre. Amen. Maintenant, on doit passer à quoi maintenant? Je vous ai dit, Dieu, à cause de ça, je n'ai même pas fermé les yeux. Je suis fatigué même. Quand on dit que quelqu'un est fat, ça fait trois. Ça fait combien? Ça fait moi maintenant 3 semaines. Tu sais qu'on t'a réduit. Pourquoi toutes tes affaires se bloquent? On t'a réduit à être mécanicien. Dans ton prophétique là, tu as fait les affaires, tu es monté, ça ne passe pas là. On t'a réduit à être mécanicien. On n'a pas eu d'avoir garage de mécanicien. Tu vas réparer les pires voitures là. Puis ça ne demande pas bouche, 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 et puis on vient, on te dit, bouah, tu ne vas pas réparer les voitures là. Hein? Faut refuser. C'est, le petit la main, c'est son. Bon, faut du cœur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen. On va passer à nos secondes offrandes rapidement. C'est un culte. Je vous ai dit que c'est un jeûne, moment de jeûne que nous avons commencé. Après le jeûne, tu peux couper. De toute façon, il y a des